Salima Kolo Yinga. Amen. 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 Bon de là. Précieux, merveilleux Seigneur Jésus. Amen. Nous te remercions ce matin de ce que tu veux de nous parler du jour restant. Nous t'avons contemplé, Seigneur, tout au long de la prédication. Amen. Seigneur de gloire, pendant que nous voulons encore ajouter encore une pierre à l'édifice. De la c'est une prédication que j'ai déjà prêchée. Ils ont dit à mon conseil là d'à côté. Quand l'homme de Dieu arrête ma parole de ce sujet là, Tongo Mutunanzambi arrête la lobinga na mité wana. J'ai compris que je dois encore dire quelque chose là-dessus. Na kanisa kete singena loba sumwe loko moko na kati wana. Amen. Donc on va se lever. Côté les mains. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans ma tali l'Ouvain Zambé. Nous allons prendre le Jean toujours 3. Au Kamatabou Kwa Yohan Yamisato. Commençons verset 1. Au Banda Mukapwa Liboso. Mais il y a un homme dont les pharisiens nommaient Nicodème. Et Zouamaki Motokas Yava Farisa Yiba Bengi Nicodème. Un chef des Juifs. Au Kondi Yava Yuda. Qui vint lui auprès de Jésus. Ou à qui Abele Maki Penena Yesu. De nuit et lui dit. Aïe pi à l'obinaïe. Rabbi. Rabbi. Rabbi, maître Mokodi. Rabbi. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui, bien, tu es allé, Molaximala, moi, outil Père Nzambe. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Motomo, pas qu'à Kosala, à Kosala, à Kosala. Si Dieu n'est avec lui. Soki Nzambe, à Zalomanaïe. Jésus lui répondit. Yes, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Nicodème, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Donc, on va continuer sur notre sujet. Sur la nouvelle naissance. C'est un peu difficile pour moi parce que je n'ai pas pu imprimer ce que j'allais imprimer ici. Je n'arrive pas tellement à lire les questions sur le téléphone comme ça quand je fais. Il y a certains qui sont déjà habitués. Amen, amen. Donc là, le dimanche passé, nous avions dit que la nouvelle naissance, c'est la première doctrine du Seigneur. Quand il commença son enseignement, quand il commença son ministère, le Seigneur Jésus-Christ a commencé par la nouvelle naissance. Et donc, c'était la base même du fondement de son ministère. Jésus n'a pas commencé par les sceaux. Vous allez lire dans Matthieu 24, voilà m'interprète. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné sur les sceaux. Et c'était vers la fin de sa vie. Et qu'il a prêché sur les sceaux. Mais quand il commença son ministère, Jésus-Christ n'a pas commencé par les sceaux. Il a commencé par la nouvelle naissance. Et nous avions vu, et pour
pourquoi la nouvelle naissance a été introduite. Si la nouvelle naissance avait été introduite, parce que la première naissance a été gaspillée par le péché d'Adam. Est-ce que vous êtes là-bas comme moi? Voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait la nouvelle naissance. Si Adam et Ève ne tombaient pas, Dieu n'allait pas instaurer la nouvelle naissance. Vous avez remarqué le premier Adam a commencé par la naissance, la première naissance. Il a détruit, il a gaspillé. Le second Adam commence avec la nouvelle naissance. Il y avait déjà quelque chose d'avant. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance s'il n'y avait pas l'ancienne naissance. La nouvelle naissance, c'est ce qui vient en second. C'est la deuxième naissance. Cette naissance est une naissance spirituelle. Parce que la première naissance, on est dans la chair. C'est une naissance qui nous introduit dans ce monde. Et c'est une naissance qui fait de nous les hommes de la terre. Amen. C'est une naissance qui fait de nous les êtres humains. Donc, les gens qui sont capables de vivre dans cette terre. Les gens qui vivent par les cinq sens. Les toucher. La vue, miso, le goûter. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est la naissance naturelle encore, la première naissance. Amen. Amen. Oh, la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. C'est celle qui ne vient pas de la terre. Nous avions vu qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance. On avait vu aussi qu'il y a beaucoup de tonneaux sur ce point-là. Amen. Amen. On ne doit pas revenir là-dessus. On va lire le Branham. Dans la brochure, pourquoi je suis contre la religion organisée. On a dit n'engagé dans la télé mili le sambouana au bateau à Bongisi. Paragraphe 135. Il peut y avoir tant d'ya tout comme ça. Naître de nouveau signifie. Kubota merci que ça coïe puis ça boye. Recevoir la naissance d'en haut. Kuyamba kubota merci. De nouveau signifie d'en haut. Ya li kolo. Je pense que vous le savez. Na ebe te boza koye bamo. Vous voyez. Bomoni. Naître de nouveau. Kubota merci. Signifie recevoir la naissance d'en haut. Ezali kolo ba ete kuyamba kubota merci kolo. Vous verrez. Vous pouvez étudier ça si vous le voulez. Dans le lexique. Vous voyez, cela signifie une naissance qui vient d'en haut. Parce que vous êtes né ici. Maintenant, pour naître de nouveau, vous devez naître ici en haut. Pour naître de nouveau, alors ce royaume-là est tellement plus élevé que ce royaume-ci. Tellement plus grand que ce royaume-ci. Mais ce royaume-ci devient une folie pour celui-là. C'est une folie pour celui-ci. Dans la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. Amen, amen. Et quand on a vu les tendances qu'on a assimilées sur la nouvelle naissance, nous avons vu que la nouvelle naissance n'est pas le baptême d'eau. La nouvelle naissance n'est pas une croyance que tu viens, tu dis que je crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Et on avait vu que la nouvelle naissance est une expérience. Une expérience que Dieu doit te donner. Est-ce que vous êtes avec moi? Une expérience que tu dois expérimenter avec ton Dieu. Ça ne doit pas être basé sur une simple foi. Je suis né de nouveau. Mais ça doit être une expérience avec Dieu. Parce que tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans pourtant recevoir une expérience qui vient de Dieu. Je suis expérience qui vient de Dieu.
naissance. Je ne peux pas prétendre dire que non, je suis né de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai dit que non, ça doit être une expérience. Une expérience que tu ne peux pas oublier. Et toi, cette expérience là vient. Et tu sauras que quelque chose est passé en moi. Je suis comme ceci. Maintenant, je ne suis plus comme ça. Est-ce que je peux entendre la même? La nouvelle naissance, c'est une conversion. Est-ce que je peux entendre la même? La nouvelle naissance, c'est une conversion. Amen. Amen. La conversion, c'est le changement. Quand on dit que celui-ci est converti, c'est pas parce qu'il vient à l'église. Est-ce que je peux entendre la même? C'est pas parce qu'il prie pour les malades. C'est pas parce qu'il monte dehors la chaise. Et quand il prêche la parole, l'onction est descend. C'est pas parce qu'il chasse les démons. Non, 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 non. On ne peut pas assimiler la nouvelle naissance à ça. Est-ce que je peux entendre la même? C'est pour l'idée dans ma tête. Jésus-Christ avait donné la puissance aux apôtres. Jésus-Christ a pensé qu'il allait chasser les démons. Allait guérir les malades. Quand ils ont prié, chasser les démons. Directement, ton nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est une conversion. Qu'est-ce qu'une conversion? Une conversion, c'est un changement. Tu étais A, tu deviens P. Est-ce que je peux entendre la même? Amen. C'est une conversion. C'est un changement. Voilà pourquoi Jésus avait dit. Les apôtres marchaient avec Jésus. Est-ce que je peux entendre la même? Ils ont marché avec Jésus. Mais Jésus n'était pas né de nouveau. Jésus va dire à Pierre. Pierre, même es-tu? Ça veut dire que ma vie a changé.
Parce que quel que soit le nombre d'années d'un caillou ou encore d'un morceau de bois dans l'eau, cela ne deviendra jamais le poisson. C'est comme ça que tu vas comment on parle. Si tu ne passes pas par l'esprit de la nouvelle, quel que soit le nombre d'années que tu feras de l'eau, tu seras toujours le même. Est-ce que ça peut attendre la même? Oh Yahweh. Oh, si tu passes par l'espérance de la nouvelle essence, c'est seulement toi qui vas le dire. Avant, tu étais une création de la chair. Voilà pourquoi Fabana me dit que celui qui est de nouveau devient être double. Tout là, vraiment. Je n'arrive pas vraiment. Avant de revenir ce que je viens de dire là, alors, pourquoi devions-nous naître de nouveau? C'est parce qu'il est écrit dans Psaume 51, verset 7. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Est-ce que vous êtes avant comme moi? Tous ceux qui sont nés après Adam sont nés dans le péché. Amen. C'est parce qu'il est écrit dans Job 14, verset 1, que l'homme né de la femme, sa vie, écoute, est sans cesse agité. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas une vie éternelle. Mais c'est une vie temporelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Question-réponse. 62-05-27. Bon.
Mais vous voyez, je continue à prononcer les jugements sur Adam et Ève. Elle avait déjà commis ce péché. Avant, pour qu'il puisse prononcer ses jugements. Écoutez, avez-vous déjà appris ça? Que le premier enfant qui est né dans ce monde, qui est né dans le péché, a été enfanté dans l'iniquité et est venu au monde en disant des mensonges. Le tout premier enfant qui est né, il est né comme ça. Amen. Parce que vous dites, mais Adam et Ève, et ils ne sont pas nés. Ils ont été créés. Vous voyez, amen. Le premier enfant qui est arrivé, il est né dans le péché. Alors ça ne peut être que cette lignée là. L'homme et la femme. Écoute. Il est né dans le péché. C'est pour cette raison qu'il doit renaître de nouveau. Voyez, par l'esprit. Non pas par une pensée, mais par une naissance spirituelle. Le fait de croire que je suis né de nouveau, de croire que je suis sauvé, Amen. Parce que les saluts, on ne doit pas croire. La nouvelle naissance, on doit le savoir. On doit l'expérimenter. On doit simplement croire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maman me dit ceci. Quelqu'un lui a dit, oh, il est écrit qu'Abraham fut sauvé par la foi. Vous allez voir, il avait d'abord cru. Mais Dieu a confirmé sa foi par lui donner un signe de circoncision. Donc Dieu circoncit son cœur pour reconnaître aussi sa foi. Quand Dieu te donne la nouvelle naissance, ça veut dire que Dieu croit en toi. Ça veut dire que Dieu a créé ta foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans ta pensée là, je pense que je suis né de nouveau. Vous connaissez ce que je veux dire? Expérience. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Et la vie de la nouvelle naissance, ça doit parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu arrives quelque part, on doit t'identifier. Même si tu n'as pas parlé, amen. Les gens qui t'ont côtoyé avant, quand tu te vois, doivent dire que l'enfant n'a rien. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cet enfant. Et qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que vous êtes avec moi? Après mon bal qui toque, mais regardez comment il est. Tel est le langage de Dieu quand j'avais cru. Là, comme il connaissait ton endimaka. Amen. Je voulais vraiment être vraiment un véritable chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À quel point que j'ai porté de gros pantalons? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je voulais qu'on sache que c'est cru. Amen. Et beaucoup de gens qui m'avaient connu, ils ont connu ma jeunesse. Oh, bah, et quand ils m'ont encore revu, quelque chose s'est passé. Quand je suis parti en 2015, pour faire le bac, moi je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit un mot. Le monsieur me regarde. On avait des problèmes. On s'est dit, mes paroles. Quand il m'a dit, tu as changé comme ça.
Oh, tu es devenu conscient. On dit que moi, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. On n'a pas failli de conseiller. Donc, on le voyant seulement. Comment on a quelqu'un? Tu as dit non, tu as changé. Ah. 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 Toi, tu as changé. Est-ce que vous êtes avant comme moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'expérience que Jacob avait eue. Et ça me dit que la parole est parce que Jacob, quand il était parti, il cherchait la femme. Aussi longtemps qu'il n'avait pas rencontré l'ange. Aussi longtemps qu'il n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance. L'expérience de la nouvelle naissance. Ça commençait comme ça. Jacob a vécu l'expérience réelle avec que quelque chose s'est passé dans cet enfant là. Il n'est plus le même. Allez seulement dans mon village. Allez seulement mon sac. Demandez aux gens. Connaissez-vous Bonja? Moi là. Mais Zamba Sali Makamina est à moi là. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous ne sommes pas ce que nous étions hier. C'est ça que fait la nouvelle naissance. Mais tu as cru que tu es toujours le même. Tu ne te soucies même pas. Oh, pitié. Tu n'aimes pas. Ah, c'est beau. Que Dieu vous aide. Le ciel, c'est à bientôt. Voilà, et ça, calami du tiao. L'enlèvement, c'est à bientôt. Il est ami, calatiao. Qui est une promesse, vous allez la carte. On a vu, parce que nous sommes nés dans le péché, oui, que la nouvelle naissance tue en nous la nature du péché. On doit naître de nouveau. Parce que la nouvelle essence établit les liens de parenté. En fait, les liens de parenté avec Dieu. C'est là nous devenons fils et filles de Dieu. C'est par la nouvelle essence que nous devenons fils et filles de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu. Tu n'es pas encore fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, encore fils de Dieu, tu dois naître de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que même dans la naissance physique, pour appartenir à une famille, tu dois naître dans cette famille-là. Tu dois aussi porter le nom de cette famille. Est-ce que tu es avec moi? C'est la preuve que tu es né dans cette famille-là. Et tu porteras le nom de cette famille-là. Et pour être aussi un fils de Dieu, tu dois naître en Dieu. Or, Dieu est esprit. Ça veut dire que tu dois procéder par la naissance spirituelle. Amen. Et là tu deviens fils de Dieu. Tu as maintenant les liens de parenté avec Dieu. Tu deviens alors parent de Jésus. Sans quoi tu n'es pas encore parent de Jésus. Amen. Amen.
Dans votre vie est un dieu de l'évangile. Chrétien, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Afin d'être un fils de Dieu. Vous devez croire ça, c'est vrai. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Afin d'être un fils de Dieu. Vous devez avoir un lien de parenté avec Dieu. Il doit être votre père. Afin que vous puissiez être un fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, ce n'est que la nouvelle naissance qui établira une relation entre nous et Dieu. Amen. Amen. Je prends la brochure pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre pour donner une loi à suivre et lui en suivre une autre. Lui suit ses propres lois. Alors Dieu, pour racheter l'église perdue, le monde perdu, la création perdue, Dieu qui est infini en esprit, pour racheter la race humaine perdue, Dieu lui-même est devenu un parent. Un fils qu'il a créé dans le sein de Marie. Il a donné ainsi un témoignage à l'extérieur des portes de Jérusalem. Il a été élevé entre les cieux et la terre. Et il est mort. Il a tout racheté. Et par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même. Avec qui il puisse fraterniser et être en communion. C'est le lien de communion qui était perdu depuis les années de Dieu. Vous êtes descendu chaque soir à l'heure de la réunion. Avez-vous remarqué, Dieu descendant la prochaine jour, au coucher du soleil, il y a quelque chose de spécial. Quand il commence à faire nuit, les gens pensent à l'église et à Dieu, les chrétiens bien sûr. Vous voyez, le soleil se couche. Vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. Et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir la communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion. Parce que le péché l'empêchait de la voir. Dans le péché, avait ôté la chose qui faisait la communion entre Dieu et l'homme. Adam ne les avait rejetés. Il avait le Saint-Esprit, mais ce n'était pas encore un sceau. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi, après que le péché était rentré, Dieu devait chercher un moyen pour rétablir la communion entre lui et l'autre. Cette communion, ce n'est que par la nouvelle naissance. Il y a le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Alors, il a été fait cher. Il habitait parmi nous. Afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme. Vivre dans l'homme et ramener l'homme à son état de communion avec lui et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donné. Voilà ce qu'il a fait. C'est le but du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. C'est le Père qui habite en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons connu que Dieu le Père habitait en Jésus. Dieu était maintenant condamné en Christ.
sur Marseille, dans la ville de Galilée, je ne vais pas tout parler. Je ne peux entendre la parole parce que toute la divinité est condensée en nous. Troisième point,
Vous aimerez une créature du temps. Jusqu'à ce que vous naissez de nouveau. À ce moment-là, vous devenez une créature éternelle. Je suis heureux d'avoir la vie éternelle. Puisque maintenant j'ai la vie éternelle. Je le sais. Je crois de tout. Je crois que tous l'auront. Amen. Ce matin, tous nous aurons la vie éternelle. Amen. 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 Quatrième point. C'est pour participer à l'enlèvement. C'est-à-dire aller au ciel. Jean 3:3. Car si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous la brochure, l'histoire de la vie, la Oh Jésus, s'intéresse à cela. Pourquoi cette union se tient-elle? Pourquoi le surnaturel a-t-il été manifesté? Il est ici. Il est ici maintenant. Écoutez-moi, croyez-moi. Tout celui qui viendra ici en croyant sera sauvé maintenant. Même si seulement vous venez, la peau de miséricorde s'ouvre maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour des mises en cause maintenant. Parce que quand tu es en train de dire Amen à la parole, l'enconseil du Saint est en train de venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a fallu seulement Marie dise Amen. À la voix de l'ange. Qui était la parole. Quand Marie a dit Amen. L'enseignement du Saint-Esprit, l'enfant Jésus était rempli. Tu devais recevoir le Saint-Esprit. Dis simplement Amen à la parole. L'enfant Jésus va naître. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça pourrait être trop tard pour vous. Ne voulez-vous pas venir? Sans la nouvelle naissance, tu es perdu. Même si tu viens à l'église chaque jour, même si tu joues au piano, même si tu chantes, même si tu prêches la parole, sans la nouvelle naissance, tu es perdu. C'est pas moi, c'est frère Bana. Amen. Sans la nouvelle naissance, vous êtes perdu. C'est vrai. Descendez directement l'aller. Comme c'est merveilleux. Prenez votre ami pécheur. Je prends la brochure, la seconde venue du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui lui dise, frère Branham, souvenez-vous de moi. Je ne suis pas encore né de nouveau. Est-ce que vous êtes amen? La sincérité paye bien. La sincérité paye cash. Est-ce que je peux entendre amen? Je préférerais non.
qui est né de nouveau. Oh, botami, botami, si. Oh, évite à botami, botami, si. Non, moi, je ne suis pas né de nouveau. Allo, bête, la botami, botami, si. Amen. Kasimoto. Qui dit qu'il est né de nouveau? Oh, zon, le botami, botami, si. Kasi, à botami, si. Ah, qu'on lit. Je ne l'ai plus de nouveau. Vraiment, qu'on lit. Parce que tu n'auras plus la force de chasser la nouvelle. Ah oui. Est-ce que vous êtes d'abord comme moi? Amen. Un point, c'est que j'avais dit, il ne s'agit pas seulement de recevoir l'expérience. Quand tu as reçu l'expérience, tu peux dire que là, j'étais tombé sous l'onction. Quand je m'avais touché ce jour-là, quand le passeur était le prêcheur, quand le prêcheur était le prêcheur, un vent est passé, un vent de Dieu est passé. Qu'est-ce que tu es devenu après que ce vent-là soit passé? Après cette expérience-là, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Est-ce que la haine est partie? Est-ce que la méchanceté est partie? Est-ce que le mensonge est parti? Est-ce que les critiques sont parties? Est-ce que vous êtes avant que moi? Parce qu'après cette expérience, il doit y avoir un changement. Vous avez reçu l'expérience. Tu peux témoigner de tout ça. Mais nous ne vérifions pas la parole. Après que tu aies reçu cette expérience, si vous regarde ta vie par rapport à ta vie antérieure. Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Oh là là, il est ton nom. Moi je suis. Le passé m'avait dit que tu prendras une aile. Le pasteur m'avait dit. Il m'avait dit ça. Il m'a dit parce que tu avais tellement d'impression. Parce que ce que je dis là, c'est capital. C'est capital pour toi et moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui fait que non, les gens, quand ils viennent à l'église, sont pressés? Ils repartent à la maison. Mais c'est parce que tu n'aimes pas Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui! Parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. C'est tout. C'est simple. Tu viens à l'église, tu es toujours pressé. Quand tu regardes ce que tu vas aller faire à la maison là-bas, il n'y a rien aussi de bon. Est-ce que vous êtes avec moi? David, il disait, c'est sur la joie, quand je me dis, allons dans la maison de l'éternel. David avait cette joie-là. Voilà pourquoi il était l'homme selon les guerres de Dieu. Dieu l'aimait parce qu'il aimait la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Tu n'aimes pas la parole, Dieu ne t'aime pas. Bongo. Il le matin, ça ne pas colinga, ok. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme effort pour naître de nouveau? C'est là où je dois. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que nous devons faire pour naître de nouveau? Pour recevoir la nouvelle essence. Quel effort devions-nous faire? Dieu a une partie de responsabilité. Le croyant aussi a une part de responsabilité dans le salut. Abraham a dit quoi? Et Dieu a donné le signe. Le Dieu a confirmé sa foi. Toi et moi, nous avons aussi quelque chose. Nous devons faire quelque chose pour notre salut. Pour la nouvelle essence, pour parvenir à la nouvelle essence. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que beaucoup, on a toujours martelé que vous devenez de nouveau. Mais on ne dit pas comment nous devons naître de nouveau. Mais ce matin, je veux connaître comment on est de nouveau. Comment on parvient à la nouvelle essence? Je vais lire comment on est de nouveau. Et après, je vais lire. Et là, si tu sauras si tu es le nouveau pas. Pourquoi ça, je vais sauter ça. C'est une écriture dont c'est la plus grande bataille jamais, niveau par 76. On a dit là-bas que non, la parole doit être acceptée dans la bataille dans ta pensée. La parole est la parole de l'esprit. L'exigence de la mort en soi-même. Dans la brochure, les douleurs l'enfantement. C'est la même chose dans la nouvelle essence. Et c'est là nous ne retournons jamais en arrière. Mais nous avançons.
C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances. C'est parce que la semence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole. Avec la personne. C'est une très belle prédication. Tu ne manifestes pas le désir d'appliquer ce qui est prédit. Ça se sympathise avec la parole, encore avec le prédicateur. Mais Dieu ne veut pas pourrir à l'ancien système. Il ne veut pas sortir de là. Est-ce que vous êtes avec moi? La nouvelle naissance exige la mort en soi-même. La mort en soi-même, c'est le chemin le plus facile de naître de nouveau. Qu'est-ce que la mort en soi-même? Ils ne veulent pas pourrir l'ancien système. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester dans l'ancien système. Nous prétendons avoir reçu la nouvelle naissance pour le message de l'âge. J'ai écrit la parole. Je suis toujours monté. J'ai écrit la parole. Je suis toujours impudique. Mais je serai sauvé. Nous avons vu ça. C'est là le problème aujourd'hui. C'est les gens. Ils évitent ça. Ils n'aiment pas ça. Ils ont substitué cela à quelque chose, à la nouvelle. Croyez, c'est tout ce que vous avez à faire. Il y a une naissance, quelque chose qui va de pair avec ça, quelque chose qui pour le monde semble inconvénient. Toute naissance est un gâchis. Même importe où c'est dans la porcherie. Ça vous fera des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fera gêner à l'hôtel et pleurer. Amen. Vous lavez le visage pour enlever les fards. Aujourd'hui là, c'est avec les cesses et le fond de terre. Pour enlever le phare, lever les mains, louer Dieu. La nouvelle naissance fera ça. Parce que c'est la foi pourvue par Dieu. Vous devez mourir avant de pouvoir naître. Toute semence doit mourir avant d'être régénéré de nouveau. Elle restera seule. Il faut qu'un homme mette à sa propre pensée. Il faut qu'il mette à toute pensée autre que la parole de Dieu. C'est ça le terrain de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois mourir. On va prendre Colossiens 3.
Si donc, je commence au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sous la terre. Car vous êtes mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Un mort ne peut plus réagir. Et si tu réagis à l'ancienne vie, on a prouvé que tu n'es pas né de nouveau. C'est le temps de chasser la nouvelle.